Dans une interview à Gala, Lynn Dalmey est revenue sur la mort brutale de son père, Alphonse, en 2017. La chanteuse a traversé une période très difficile. À 56 ans, la chanteuse québécoise Lynn Dalmey revient avec un projet intitulé « Il était une fois ». Ce sont 11 albums de 11 chansons écrites en 1111 jours. Ce projet, la chanteuse le dédie en grande partie à son père, Alphonse, mort en 2017 des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 88 ans. J'ai eu la chance de l'accompagner jusqu'au bout, même si c'était éprouvant, bouleversant. J'ai dû faire face à sa mort et à la mienne aussi. Je le voyais s'en aller. Je passais des moments seul en tête à tête avec lui. Parfois, je me sentais gêné, je ne savais plus quoi lui dire. Alors, face à ce malaise, je me suis réfugié dans ma passion pour les mots. Et on a décidé d'écrire ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait. Il me lançait des rimes, je les mettais dans mes chansons. On voulait faire un grand opéra, a-t-elle confié dans une interview accordée à Gala ce jeudi 22 juin 2023. J'ai traversé une période où je n'allais vraiment pas bien dans cette interview. Lynn Dalmey est également revenue sur la dépression qu'elle a traversée après la mort de son père. J'ai traversé une période où je n'allais pas bien. Vraiment pas bien, a-t-elle témoigné. J'étais en dépression. Je pleurais très souvent. C'était le désordre dans ma maison, dans ma tête. Je voyais tout en noir. Plus rien ne m'intéressait. Je n'avais plus d'énergie, même celle qu'il est nécessaire d'avoir pour aller chercher de l'aide. Je m'occupais seulement de mes filles, j'avais mis ma carrière de côté. Je devais régler plein de choses dans ma vie, apprendre à m'aimer. Les filles me voyaient sombrer. À un moment, Jessie, sa fille aînée, m'a offert un cahier dans lequel je ne devais écrire que des choses positives. Ce cadeau m'a ramené à la vie. C'était en 2017. Je n'ai jamais rien dissimulé à mes filles mères de deux filles, Jessie, née en 1997 et Ruby, née en 2006, Lynn Dalmey a pu compter sur leur soutien indéfectible. Je me suis fait aider aussi, a-t-elle livré à Gala. Mais je n'ai jamais rien dissimulé à mes filles. Je suis très tolérante, très ouverte d'esprit. On se dit tout, nos amours, nos peines. Et je ne suis absolument pas autoritaire.